Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est mardi et on se retrouve pour notre première dictée du jour de la semaine. Et cette dictée du jour, comme d'habitude, elle va reprendre donc des mots qui contiennent le son de la semaine, c'est-à-dire le son ouille. Comme d'habitude, vous allez prendre votre ardoise ou votre cahier de brouillon. On va commencer par... je vais commencer par vous dicter quelques mots avec le son ouille, vous essayerez de les écrire et ensuite je vous dicterai la phrase complète. La phrase d'aujourd'hui, c'est donc, écoutez bien, la grenouille se mouille, nage et se débrouille très bien. Trois mots du son ouille, grenouille, mouille et se débrouille, d'accord? Allez, c'est parti, on démarre donc tout de suite. Vous prenez votre ardoise et on écrit le mot grenouille. Allez-y, grenouille. Je prends mon ardoise et je l'écris donc à mon tour. Gre, G-R-E. Et nouille, N. O, U, I, L, L et E. Voilà pour le mot grenouille. On s'était entraîné à l'écrire hier. Grenouille. Très bien. On passe au mot suivant. C'est le mot mouille. Alors, comme c'est le verbe se mouiller, c'est se mouille. Allez-y, vous l'écrivez donc se et mouille. C'est parti. Je l'écris donc moi aussi. Vous avez eu le temps de faire une pause et de l'écrire. Si ce n'est pas le cas, revenez en arrière dans la vidéo et écrivez se mouille tranquillement. Donc se, S-E. Il est devant un verbe. Hein. Devant un verbe, c'est se, S-E. Se mouille. Alors, M, M et O, U, toujours pareil. O, U, I, L, L et E. Comme ceci. J'espère que c'est bon pour vous. On passe maintenant au troisième mot de la dictée. C'est se débrouille. Donc pareil, se, S-E et débrouille à la suite. Allez-y, vous écrivez ça, se débrouille. Je l'écris maintenant moi aussi, donc se, S-E, débrouille. Alors la syllabe D, c'est D-E accent aigu, brouille, br, B-R et R, R, hein, br, et ouille. O, U, I, L, L. Oups, j'ai oublié le I. Je passe ça tout de suite. O, U, I, L, L, E. Se débrouille, comme ça. Parfait. Et on va écrire enfin, oui, deux autres mots peut-être, qui seraient intéressants à écrire. C'est le mot trait. Le mot trait, on l'avait vu dans d'autres dictées, donc vous commencez à bien savoir. Vous essayez d'écrire ce mot, trait. Mot outil. Je l'écris aussi, donc trait. T, R, E accent grave et S. Voilà pour ce mot, trait. Et un dernier, c'est le mot bien. Alors, rappelez-vous, dans le mot bien, on retrouve le son yin. Le son yin, c'est le yin qu'on retrouve dans le mot chien, par exemple. Donc, souvenez-vous bien comment est-ce qu'il s'écrit ce son yin. Il s'écrit avec trois lettres et on écrit le mot bien. Allez-y. Je vous avais fait pause, vous l'avez écrit, je l'écris à mon tour. Donc, bien, b, le son b, la lettre b. Et le son yin, trois lettres, I, E, N. Et ça, il faut le savoir évidemment, hein, parce qu'on ne peut pas le deviner. Puisque si
Je n'avais pas remarqué que c'était trois lettres qui se mariaient ensemble pour faire le son rien. Eh bien, je dirais bien, bien sûr. Donc, c'est important de savoir que I-E-N, ça fait rien. Voilà pour les mots que je voulais qu'on écrive ensemble. On passe maintenant à la dictée. Donc, comme d'habitude, je vais vous écrire la date. Vous l'écrivez aussi, vous, dans votre cahier. Donc, je prends le temps de l'écrire et on se retrouve tout de suite après pour démarrer la dictée. C'est parti. Donc, j'ai écrit la date sur mon tableau. J'ai écrit dictée du jour. À vous de faire pareil sur votre cahier. Faites une petite pause et puis on se reprend tout de suite après. Donc, on démarre la dictée du jour. Je vous répète la phrase entière. C'est « La grenouille se mouille, nage et se dépouille très bien. » On démarre donc avec le premier mot. On écrit « la » avec une majuscule puisque c'est le début de la phrase. « La ». Le deuxième mot, c'est le mot « grenouille ». Allez-y, grenouille. Faites des pauses, toujours pareil. Grenouille. Se mouille. Se mouille. Virgule. Nage. Nage. Alors, on avait appris hein, que le son « je » à la fin d'un mot, c'était toujours « ge », comme dans « plage » par exemple, ou d'autres mots. Donc, « nage »,« nage », deux syllabes, rien de difficile quand on sait ça. Et, alors, « et » je vous laisse essayer de trouver de quel « et » il s'agit, « et ». Se débrouille très bien. Donc, et se débrouille. Débrouille. Très. Très. Bien. Bien. Et le point final. Voilà pour la dictée d'aujourd'hui. Il n'y a rien de très difficile, donc je vais la corriger cette fois-ci en même temps que vous. Hein. On ne fait pas comme la dictée bilan où je corrige très vite parce que vous avez déjà vu les mots. Là, comme on est encore au début de la semaine et que vous ne les savez pas encore très bien, je vais bien vous accompagner pour écrire chaque mot, pour revoir bien, pour vous expliquer bien le son et la manière dont il s'écrit dans chaque mot. Vous, il faut que là, vous regardiez ce que je fais. Donc, vous regardez, vous n'écrivez rien, vous n'essayez pas de suivre. Ensuite, je vous laisserai un petit stop sur la correction. Et là, vous pourrez l'apprendre tranquillement en prenant tout le temps dont vous aurez besoin. Je commence donc tout de suite avec « la ». « La », donc « L-A ». Grenouille maintenant. Alors, grenouille, on se rappelle, donc « gre ». C'est G-R-E, hein, ça c'est toujours pareil. Et nouille, N-O-U-I-L-L-E. Avec toujours ce son ouille. La grenouille se mouille. Donc se, S-E parce qu'on est devant un verbe. Et mouille, me. La lettre M et ouille, O-I, pardon, je me suis trompée, O-U, pardon, O-U-I, L, L, E. Donc, la grenouille se mouille, nage, donc on a deux syllabes, na, N-A, et je, G-E. Attache ça, tac, et, donc et, c'est le et de et puis, hein, on pourrait dire la grenouille se mouille, nage, et puis se débrouille très bien. Donc puisque c'est le et de et puis, c'est et. Je l'écris, et, donc et,
se. SE, puisque ça va être devant débrouille et que débrouille, c'est un verbe. Débrouille, deux syllabes, D. E, accent aigu, ça fait D. Brouille, br, br. Et ouille, O, U, I, L, L, E. Très. On l'a vu plein de fois maintenant, c'est un outil. T, R, E, accent grave, et S. Très. Et enfin, bien. On se souvient du son yin. Quelles sont les trois lettres du son yin? Oui, I, E, N. Bravo. Donc, bien, B, I, E, N. Voilà pour la phrase du jour. Donc, je vous laisse regarder bien cette phrase, prendre la correction en vers tranquillement. Et n'oubliez pas que cette phrase-là, elle sera reprise vendredi pour la dictée bilan. Bon travail les enfants, à bientôt !